Thank you.
à ma couronnée. Si c'est que je vara, est-ce que mon c'est à nous battre? Je dirige une fédération responsable. J'assume les mots. Je suis une fédération responsable. L'argent va au football. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a devant nous, est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être une continuité? Nous n'avons pas le choix. Parce que nous avons aujourd'hui à la tête de ce pays des personnalités responsables qui veulent qu'on cesse avec des vraies habitudes, prendre des sous pour l'homme. Vous jouez, les deux vont sur le même adversaire. Quand on dribble, les deux. Hein? Maintenant, les deux roseaux. Si ça ne ressemble pas vers l'attaquant, la fille va vers l'attaquant. La grande va aller en couverture, à moins à 3 mètres derrière. Tu viens prendre la poussée, quand on dribble, en même temps. C'est ça qui a donné le but. Parce que tu ne dois pas aller, tu vas en couverture derrière. Elle dribble, elle vient encore, l'autre vient encore en couverture. Et c'est terminé. C'est pas bon, soyez rapide, divine, take ball, play. J'ai pas peur, vous allez fermer le ce ballon, c'est pas le Thank you.
passer les deux. On n'a pas pu respecter les consignes des coachs et vraiment c'est ça qui n'a pas marché. On ne s'est pas retrouvé dans les 90 minutes, je vais dire. Est-ce que l'adversaire vous dépassait en niveau? Oui, je vais dire. Je remercie d'abord les coachs et les membres du staff qui ont baptisé le travail avec nous jusqu'à ce niveau. Donc je suis très contente d'avoir encore réédité le titre champion. Quel est le secret de l'espoir? Le secret de l'espoir, c'est tout simplement le travail. C'est tout, c'est le travail. Quelles seront vos ambitions sur la scène continentale en Afrique? C'est pas facile, vous allez rencontrer des grosses cylindrées. On va se battre pour
pour représenter le Bénin. On a mis en place une stratégie qui n'a pas marché. Et il faut reconnaître qu'avant d'être en finale, on avait beaucoup de soucis. Parce qu'on a eu à faire par le passé 3 matchs en une semaine. Et on avait déjà beaucoup de joueuses qui étaient réduites dans l'effectif. Donc du coup, bon, on est venu. Mais l'objectif a été atteint parce que pour moi, c'est déjà bon. Parce que l'année dernière, on était arrêté au niveau des quarts. Mais cette fois-ci, on a dit qu'il faut passer le cap tout au moins. Donc on est déjà arrivé et je crois que c'est bon. Je tiens à remercier les autorités béninoises qui sont battues pour que ce championnat ait déjà cette vision-ci. Et nous n'allons pas juste aller pour remplir les formalités, non. Nous n'allons pas remplir les formalités. Nous sommes espoir, nous sommes invaincus. Et c'est bien vrai que le championnat, notre championnat est encore dans ses tout débuts d'expérience. Mais croyez-moi, espoir ne va pas aller juste remplir les formalités. Et les membres du comité d'équipe de la Fédération des Noirs de football, à cette époque, le président Mathieu de Sakis, le président Mathieu de Sakis qui est accompagné au premier ministre de France. Monsieur Guillaume. Et c'est l'équipe d'Assada qui va recevoir la médaille d'argent des mains des membres du comité exécutif. Qui est sorti deuxième du championnat D2 et elle monte bien sûr en Ligue 1 la saison prochaine. Cette belle équipe qui va aussi recevoir les médailles. Comme dans les 5 minutes. Pour cette saison, thank you.
Et le trophée est remis à l'équipe championne sous la houle de tout le public présent ici au stade. M.B.O.C.S.A. Merci d'applaudir. Et nous sommes là et nous sommes venus accompagner le football féminin. Et c'est avec fierté que nous remettons aujourd'hui les médailles et les coupes. Parce que nous sommes à l'ère de la rupture. Et il faut que dans toutes les disciplines, que les gens puissent travailler la tête haute ou non la tête baissée. Nous, au niveau du comité du football, de la fédération de football, en général, nous allons faire notre partition dans ce pays. Moi, mon comité, je sais que j'ai un comité des hommes responsables. On n'est pas là pour profiter des ressources du football. Nous sommes là pour accompagner la jeunesse, raison pour laquelle nous ne dormons pas et nous sommes là pour accompagner le football. On a eu aujourd'hui, la fin du vrai championnat féminin dans notre pays. Et nous allons continuer, si Dieu nous donne la chance de continuer avec le football, nous allons continuer dans ce sens. Non, dans la vie, ce n'est pas parce qu'il y a eu des gens de mauvaises intentions qui ont actionné le diable que nous allons nous mettre à leur niveau. Moi, Mathurin de Chacu, président de la Fédération Bénin de football, je demande à Dieu de m'aider à toujours accompagner les écureuils. Merci. Merci. Madame la Présidente. On a permis au public aujourd'hui, et même d'ailleurs aux populations béninoises, de constater aujourd'hui ce que fait la Fédération en matière de football féminin. Il y a eu de la qualité tout à l'heure, il y a eu de l'entrain, il y a eu du dynamisme sur le terrain et c'est tout ce que nous attendons. Pour le reste, on ne va pas comme ça nous reposer sur nos lauriers. Nous savons qu'il y a du travail à faire. Et tel que le président de la fédération l'a dit tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Je profite vraiment de l'occasion qui m'est donnée pour remercier toute la fédération, surtout l'administration de la Fédération béninoise de football, qui a vraiment compris le dynamisme, qui a vraiment compris la vision du président et qui travaille dans ce sens. Je salue les encadreurs, tous ceux qui accompagnent, surtout nos filles, tout au long du championnat que nous avons lancé depuis le 26 décembre 2021 et qui connaît son épilogue aujourd'hui. N'est-ce pas encore ici? Merci beaucoup. On m'appelle Wanvo Egbe-Germain, président session football féminine Espoir. Voilà, Espoir est sacrée équipe championne, comme d'habitude, une équipe qui a fait une saison pleine. On dira tout simplement que vous êtes heureux au vu des efforts que vous avez fournis. Merci, nous sommes très heureux dans la mesure. D'abord, je voudrais remercier Dieu, le Père Céleste, qui nous a conduits sains et saufs. Nous sommes venus, nous avons livré le match, la finale, en beauté, en toute beauté. On rend grâce à Dieu. Je remercie les membres de la fédération qui ont eu l'intention d'organiser la finale de cette manière. Et c'est une grande apothéose. Je les remercie beaucoup. En l'occurrence, le président de la fédération qui a su donner de ses propres mains une touche spéciale pour l'organisation de cette finale. Je crois que nous devons être heureux parce que nous sommes en train de constater que le football féminin est en train de prendre dans notre pays. Il y a des années passées, on n'avait pas assisté à ce genre d'organisation. Donc nous remercions toute la délégation de la Fédération Béninoise de football. Voilà, Espoir, c'est une fois encore championne. Mais dites-nous en quelques mots le secret, votre force aujourd'hui pour que Espoir soit toujours à ce niveau. Non, il n'y a pas une force. En termes de moyens, en termes de logistique en général. Non, mais si vous voulez aller très loin, il y a les moyens et il y a les dispositions. Vous voyez, donc le travail est très important, déterminant. Il faut que les filles travaillent jour au jour, tous les jours d'ailleurs. Nous avons dit qu'il y a deux choses. Il faut accompagner par les moyens et aussi du travail. C'est ces deux choses qui nous ont aidé beaucoup à arriver là où nous en sommes. L'année dernière, on était toujours championne. Et cette année, on est aussi sacrée championne. Je pense que c'est le travail qui est en train de payer. Et nous allons toujours continuer et pas travailler comme ça, de la même manière, en accordant
une mention spéciale à notre équipe espoir féminin. Donc je pense que c'est le travail qui est en train de payer. Merci. Merci. Qu'ils vous souviennent qu'il n'y a pas très longtemps, j'avais emmené Esaïe à la Coupe CAF. Nous allons continuer avec cette dynamique. Nous sommes des poussins dans cette compétition. C'est pour la première fois que le Bénin participe à cette compétition. Nous allons simplement honorer le Bénin pour ne pas être ridicule à cette compétition, je crois bien en octobre ou novembre prochain.